Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Madgen. Aujourd'hui on se trouve pour un nouvel épisode de Minecraft Play for You. Bon, et ben ce sera un épisode sans caméra parce que je vais la mettre à recharger, au moins ça sera prête pour le prochain épisode. Bon, arrête de t'affoler, merci. Regardez, je suis dessus, ça va, mais alors sinon il est là. Voilà, bon, enfin bref, vous pourrez voir mes réactions et tout ça, mais bon, là pour le moment c'est pas très intéressant, je suis juste en pleine construction. À droite il me semble. Donc là, à ne pas oublier, on a... Ah oui, mais j'ai dit ne surtout pas tomber dedans, mais faut vraiment, vraiment pas tomber dedans. On a un peu de fer, faudra aller le chercher, on ira le chercher. Ben, on va y aller tout de suite parce qu'il nous manque de la pierre. Donc ça sera une bonne raison d'y aller. Par contre, mon cimetière, je ne sais pas du tout où faire. Il faudra que j'y réfléchisse aussi. Faut que je me fasse aussi le Never, hein. Qui va être à faire dans les courants instants qui suivent. C'était pas tellement là que je voulais le mettre, mais bon, c'est pas grave. Le never. Le never que l'on va mettre pas trop près de la maison, parce que sinon ça va m'énerver le bruit. On va le mettre... Bah ici, je crois que c'est pas mal. Alors, 3. Hop. Donc il me faut l'obsidienne. Hop. 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 2, 3. Tac. 2, 3. Tac. Et 1, 2, 3. Donc là, normalement, je crois bien que ça se fait comme ça, je suis même certain. Hop, on va enlever ces morceaux-là qui ne servent à rien. Maintenant, on va aller chercher... Déjà, on va manger un petit bout parce que j'ai faim. Et donc là, on va chercher le briquet parce qu'il me semblait avoir bien fait un briquet. De toute façon, on n'en a pas un peu fabriqué. Mais il me semblait en avoir fait un. Hein. Non. Bon, écoutez, on va en faire un, alors. Est-ce que j'ai assez de fer, déjà? Est-ce que j'ai du fer? Sans pire, on peut aller en chercher juste à côté. Il me semble que dans ce coffre-là, on en a. Oui, c'est un fait. Hop, on va faire notre briquet. Hop là. On va l'activer. Voilà, donc le never est fait. Avec les bruits affreux qui en émanent. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout de suite aller chercher mon fer et ma pierre qui sont dans la faille que je viens juste de remarquer. Et peut-être creuser la montagne, ça me fera un petit raccourci, ça pourrait être sympa. Voilà, aujourd'hui c'est vraiment un épisode construction. Oh, j'ai peur. Hop. Aïe. On va mettre des échelles ici. Voilà, on va mettre jusqu'en haut afin de remonter directement comme ça. Ce sera plus pratique. Donc là, faut vraiment pas faire de bêtises. Merci. Merci. Ok, donc c'est vraiment, vraiment profond, en fait. Je pense pas aller jusqu'au bout non plus. C'est vraiment histoire de ramasser le fer. Vous inquiétez pas, le bruit que vous entendez, c'est juste un sèche-cheveux. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On dirait du bronze, comme ça, avec le taux de luminosité qu'il y a. Ok. Et ok. Voilà. Est-ce que l'on a d'autres fers? Oui, on en a là-bas en face. De toute façon, ça continue assez loin. Je me demande si ça va pas aussi vers des endroits où on a déjà visité, parce qu'on avait visité aussi une faille.
Je me demande si ça rejoint pas le même. Si c'est pas la même faille. Oups. On tire dessus. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe. Non mais attendez. Oh, je peux m'expliquer, je suis venu là en amitié. Putain, mais il va se calmer l'autre. Oh, putain, j'ai failli tomber à cause de lui. Oh, tu sais quoi, on va lui faire sa fête là. Je crois qu'il est décédé. Il a fait une chute un peu pré-mortelle. Je sais pas ce qui se passe dans la salle de bain, mais en tout cas, je crois que ma soeur se fait brûler. Il y en avait deux, hein. Non, on va pas trop s'en inquiéter. J'ai pas de torche, par contre. Hein. Je suis désolé si vous voyez rien. J'ai pas de torche. Ok, donc là, en face, on a encore du fer. Putain, j'ai eu peur. Ça va, il est assez intelligent. Non, visiblement, on n'a pas de problème particulier. Ok, il va falloir que je passe en face. Hein. Faut vraiment pas que je tombe. Hein. Sinon, je suis vraiment, vraiment dans la merde. Oh, putain, mais qu'est-ce qui se passe? J'enregistre, ça fait un bordel chez moi. Aussi. C'est vraiment risqué là ce que je veux tenter. S'il n'y a pas la possibilité que j'atteigne directement le morceau de là-bas. Est-ce que je peux placer un morceau? Oui. Je crois que c'est bon. Voilà, viens là. C'est très bien. Je vais essayer de te faire mourir. Voilà, reviens. Voilà, reviens. Voilà, merci. Ok, ok, ok. Ça va à peu près. On va se faire un plus grand espace. Ok, donc là, on a du gravier. C'est la nuit, non? Oh oui, en effet, la nuit tombe. Donc là-bas, on a du fer encore. Qui est juste sous les pieds. Mais bon, j'ai l'impression que ça se poursuit en forme de grotte. On va rester là, c'est risqué. Là-bas, on a encore du fer. Est-ce que c'est raisonnable? Parce qu'on sait que dans ce monde, si on a trop de chance... Eh ben, c'est risqué. Ah. Alors, attendez. Je vais juste me sécuriser un peu pour faire ce que je veux faire. Voilà, par contre. Oh, putain, sa mère. Oh, putain, sa mère. Oh, putain. Alors, attendez, parce que c'est... Calme-toi, calme-toi. Ok, pause. Ok, c'est bon. Ben non, mais... Je suis complètement con. J'ai fait, je mets le compte à bord à chaque fois de 10 minutes parce que c'est pour mettre mon appareil photo. Voilà, maintenant je peux le remettre 10 minutes. Par contre, il m'éclaire un peu trop. Voilà. Ok, donc là, on va essayer de le combattre, tout simplement. Il est parti. Mais qu'est-ce qu'il fait? On va retourner là-bas. J'ai l'impression qu'il a dépopé. Va-t'en, 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 va-t'en. Oh putain, sa mère. Oh la vache, j'étais coincé là. Juste au-dessus de la lave. Ok, ça marche encore. Je crois que c'est une vache, mais vaut mieux se sécuriser. On va se camper. On en a combien? On en a 15, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Ah!
Je suis un abruti. Mais ils remontent les cœurs. Qu'est-ce qu'ils attendent? L'ordre de ministre? Mange, 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 mange. Pour que ça remonte. Je peux dire que j'ai eu de la chance. J'aurais été touché par le squelette de tout à l'heure. Je n'aurais peut-être pas eu autant. Bon, je pense que là c'est bon. On peut récupérer ce fer. Et là, on va remonter. On va remonter parce qu'on a la possibilité de remonter facilement. D'accord, mais il est encore tard. Les monstres n'auront pas brûlé à la surface. Au pire, c'est pas grave, on peut refaire des échelles. On va se permettre de se mettre des échelles jusqu'ici. Oh, voilà. Ça monte, non, c'est un cochon. J'allais dire ça marche et ça m'a l'air d'être un creeper, mais non. On est à côté de la maison, je vais essayer de me permettre de courir jusque là-bas. Je me suis dame. Ok, c'est risqué. Je savais. Je savais que c'était risqué. C'est parti! Taisez-vous! C'est bon, on est en sécurité. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais manger un petit bout. Voilà. On va dormir un petit peu. J'aurais pu mettre le fer à cuire, ça aurait été une bonne idée. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon fer à cuire et je vais tout de suite aller miner la grotte. Enfin, pas la grotte, la... Vous avez compris, la montagne. Je m'en fous de toi, l'Enderman. Fais pas peur. Oh, mais il y en a pas mal, en fait. Ouais. Eh oh, il va te calmer. Mais il est malade. Mais arrête de me tirer dessus alors que t'es en feu. Oula, qu'est-ce qui se passe? C'est toi, t'inquiète pas. Ça va se passer, je suis gentil. Mais arrêtez, maintenant. Merci. Merci, soleil. On va passer par là, et par là. On va récupérer ce charbon. On peut se le permettre. On va prendre la pioche en diamant, parce que de toute façon, elle ne nous servira plus. Donc, autant l'utiliser. Puis, vu qu'elle est très résistante, on peut se le permettre. Alors là, on va faire une galerie en pierre. Il faut de la pierre. Que de la pierre et toujours de la pierre. Jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté, de toute façon. Non, j'ai dit de la pierre. Dès qu'on a plus de pierre, eh bien, on creuse de l'autre côté. Malheureusement, j'aurais dû prendre des allumettes, j'allais dire. Des torches. Non, pas des allumettes. Oh, je peux en fabriquer. Je peux me permettre d'en fabriquer. Voilà, on en a 20. C'est pas mal. Je pense que ça nous suffira. Ok.
Donc là, on va partir un peu plus sur la droite. On a de la l'andésite et je n'en veux pas, tout simplement. Alors, j'ai tout simplement essayé de percer la montagne. Ok, on passe sur la droite, enfin sur la gauche, pardon. Sur la droite, enfin, je me suis compris, sur la gauche. En fait, quand je dis sur la gauche, ce sera tout le temps sur la droite, mais c'est pas grave. Ça sera un gruyère après, hein. Cette montagne sera la montagne gruyère. Tout simplement, je ne veux pas d'autres matériaux. C'est une s'appelle une montagne, ça s'appelle une forteresse en pierre, donc c'est une forteresse en pierre et c'est pas une forteresse en andésite. Ah, la lumière du jour. Eh bien bonjour. D'abord on a de la canne à sucre. D'accord, ben, on vient juste de percer la montagne. C'est pas mal. En faisant des petits détours, mais c'est pas grave. Alors, mon usine à pierre, elle se situera ici. Parce que de toute façon, c'est l'endroit pur pierre ici. J'ai remarqué. On va essayer d'en récolter un maximum. On pourrait peut-être même faire une maison, carrément. Vu avec tout ce que je ramasse. Regardez, ma pioche s'épuise vraiment, vraiment pas vite, hein. Et en plus, ça mine très vite, en tout cas. La terre, je pense que c'est l'endroit où on a de le jour, tout simplement, la lumière du jour. Je fais n'importe quoi. Je pense qu'après, là, ce que je suis en train de faire, je pense qu'après, j'en aurai peut-être assez même pour finir la forteresse. Mais au moins, ça sera fait, la récolte sera faite, et comme je l'ai dit, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'action finalement dans ce que je vais enregistrer aujourd'hui. Bon, un peu l'épisode quand même de la faille, qui était un peu risqué, mais bon, à part ça, on n'a rien de particulier. On a un peu de charbon là. Hop là. Torche cachée. Ouais bah écoute, on va en profiter, on va finir notre pierre, mon petit compte à rebours, et après on se quittera là, hein. On finit de miner cet endroit où il y a de la pure pierre, et puis quand ça sera de la pure terre comme là c'est en train d'être, on va arrêter, bah voilà, on va arrêter là. Voilà, et bah c'est super comme ça, j'aime bien. Ça fait un petit coin, on va peut-être creuser aussi ici, ça nous permettra peut-être de rejoindre de l'autre côté. Non, ça ne nous aura pas permis de rejoindre de l'autre côté. C'est pas grave. Voilà. Mais écoutez, je serais arrivé à me perdre aussi. On a aussi ici qu'on peut creuser. Alors écoutez, on va faire un épisode un peu long. Hein. C'est pas grave, c'est pour les rageux. Ce que je veux dire par là, c'est que l'on va essayer
de miner le plus possible. Au moins pour le prochain épisode, on essaiera de faire le maximum de la tour. Enfin, de la tour de la forteresse. Parce que là, je pense que je vais en avoir beaucoup. Je creuse beaucoup, mais c'est pas grave. L'épisode sera peut-être un peu plus long, mais bon, je m'en fous au pire. Hein. Le dernier épisode a été assez court du fait que ma Xbox j'ai oublié de reprendre l'enregistrement de Laver Media et du coup ça fait que je vais devoir raccourcir au montage parce que j'enregistre à la file là. Donc je vais pouvoir. Ça sera un épisode sûrement court, peut-être 10 minutes. Non, peut-être un peu plus. Je dirais 12, une douzaine de minutes peut-être. On pourra peut-être y faire quelque chose à j'ai envie de dire cette montagne là, ce qu'on est en train d'y faire là, le petit creux. Peut-être sympa d'y aménager, je sais pas, quelque chose à la fin que j'aurai fini l'émission, quoi. On pourra se consacrer peut-être un peu plus à la beauté et l'esthétique des choses. Je suis vraiment désolé, je fais un épisode un peu long, il y a beaucoup de minage de pierres, mais bon, écoutez, c'est pas bien grave, on n'en a pas souvent des épisodes longs, et il va bientôt faire nuit, alors je vais devoir me camper, quoi qu'il en soit. Je profite de la pure pierre, hein. C'est pas souvent qu'on en a, regardez, ici on a par exemple de la diorite, enfin, c'est pas de la diorite, je me rappelle plus ce que c'est. Alors j'en profite un maximum. Sur un endroit que j'ai déjà creusé. C'est ce que je dis, hein, à la fin, cette montagne sera un fin gruyère. Voilà. Et là, c'est un petit endroit. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose à y consacrer? Oui, on a ce petit bout là de pierre. Qu'on va profiter qui s'offre à nous. Un petit bout de pierre à droite aussi, je vois. On va continuer cet épisode tant qu'on aura un peu de pierre. Histoire que prochaine. Ça va être un épisode cool, voilà. Là aujourd'hui on est entre nous, on se tutue même. Mais prochain épisode avec un peu plus de sérieux, un peu moins de minage, parce que là on en fait un maximum. Voilà, ça va être quelque chose de pas très intéressant, mais bon, c'est pas grave. Pas très intéressant pour certains. D'accord! Oh là là! À ce point? Ok. On en a vraiment beaucoup, hein. Là, je pense qu'on est vraiment bon pour la forteresse, même pour le cimetière, là, on a tout. On a tout, hein. Prochain épisode, on finit tout. C'est une bonne chose d'un côté. Mon Dieu, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était un creeper qui allait exploser. Même pas. Oh là là. Là, c'est là que ça devient un peu plus oppressant de miner. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on mine à l'air du jour, enfin, de la nuit.
et c'est assez risqué. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de l'autre côté, ça serait mieux. En courant, si possible. Hop, on court, j'ai dit. Parce que c'est dangereux, la nuit est dangereuse, je le rappelle. Que l'on peut trouver des gens pas gentils comme celui-là. Il m'a raté, cette andouille. Je me fous de sa gueule, mais bon, pas trop quand même. Voilà, on va manger un bout et on se quitte là. Allez, c'est tout, ça sera tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on en est à une demi-heure d'épisode. C'était Madgen, à dans 2 semaines pour la forteresse. Bye bye!